and Judge D. Sarah Ferdinand Schwesterman for Switzerland. There will be 5 mares competing in this class number 4, sponsored by the Carteret Arabians. And after this 2 last class for after this 2 last class for the mares, we'll have the stallion exhibition and the male class with the yearling males class 6A. Welcome to our 3 judges for this class number 4, and let's start this overview class number 4, the Carteret Arabians. Voici les 5 juments qui vont concourir dans cette classe numéro 4 parrainée par l'élevage de Carteret Arabians, des juments âgés de 4 à 7 ans. Vous avez donc eu un avant-goût des 4 juments de cette classe numéro 4, et comme le veut la tradition, bien dans ces shows arabes, nous allons pouvoir les accueillir une nouvelle fois individuellement, cette fois pour passer sous les yeux experts de 3 juges pour cette épreuve, le juge A, C
et D. For this class number 4, there will be only 3 judges, judge A, C and D. Let's welcome them all individually now for the judgments for this class number 4, sponsored by the Carteret Arabians. Et sans plus attendre, eh bien accueillons tout simplement la première prétendante au titre de vainqueur de cette classe numéro 4. Voici le numéro 39. Et si vous venez de nous rejoindre dans cet après-midi, bienvenue déjà ici au Pôle International du Cheval. Si vous découvrez le monde du show arabe, permettez-moi bien justement d'apporter quelques précisions sur les notations que vous aurez le plaisir de vivre tout au long de cet après-midi. 5 critères vont être scrutés pour chaque concurrent. Le type, la tête et l'encolure. Le corps, les jambes, le mouvement seront donc les 5 critères qui vont donner donc un total de points pour chaque numéro. Une notation qui se fait à l'aveugle, hein. Les juges ont seulement le numéro de dossard et nous vous présenterons donc chaque prétendant, chaque participant au moment de l'annonce des notes. Eh bien, merci beaucoup au numéro 39. Thank you to number 39. Welcome to number 40. Voici le 40.
le numéro 40, deuxième prétendante au titre de vainqueur de cette classe numéro 4. Et nous allons pouvoir vous présenter la participante précédente, celle qui ouvrait le bal de cet après-midi. Donc le numéro 39, il s'agissait de Nesh El Markiza. C'est une fille de Marwan Al-Shakab et de Nesh Al-Kisaya par Kidar. Elle représente la... Son propriétaire n'est autre que Saïd Kahir. L'élevage Ness Arabian représente quant à lui la Belgique. Et le handler était donc Tom Oben. Let's introduce you number 39. Her name was Nej Al-Markiza, the daughter of Marwan Al-Shakab, Nej Al-Kisaya by Kidar. The owner is Saïd Kahir, the breeder Nes Arabian, and the handler was Tom Oben this afternoon. In a few minutes we'll have the results and the scores for type, head and neck, body, leg and movement. Voici les notes pour le numéro 39. Pour le type, 19,5 en A, C et 19 en D. Pour la tête et l'encolure, 19,5, 19,5 et 19,5. Pour le corps, 18, 18,5 et 18. Les jambes, 16, 16 et 17. Le mouvement, 18,5, 18,5 et 18. Une moyenne générale donc de 275. For number 39, we have the scores for type 19.5 for judge A and C and 19 for judge D. For head and neck, 19.5, 19.5 and 19.5. For body, 18, 18.5 and 18. For legs, 16, 16 and 17. And for movement, 18.5, 18.5 and 18. That means a total score of 275, 275. That's the total score for number 39. Thank you very much to number 40. Merci au 40. Voici donc la troisième participante, le numéro 41. Welcome to the third contender, number 41. Et pendant que le numéro 41 est au jugement, voici le numéro 40 que l'on peut vous présenter. Il s'agissait de Majida CF, une fille de WH Justice et de Maharani par Psitadel. La propriété de Al-Kashab Arabian, c'est de Moubarak Al-Kashab. Le naisseur est allemand, c'est Barbara Schwartz. Et le handler était Tom Schukens. For number 40. Her name was Majida CF. She's the daughter of WH Justice and Maharani CF by Citadel. The owner represents Kuwait, and this is Al-Kashab Arabians, Mubarak Al-Kashab. The breeder comes from Germany. She's Barbara Schwartz, and the handler this afternoon was Tom Schukens.
And we have the results for number 40, Majida, for type 19.5 and 20. For head and neck, 19.5, 19.5 and 19.5. For body, 18.5, 18 and 18. For legs, 16, 15.5 and 16. For movement, 19, 19 and 19.5. A total score of 277. That's the total score for number 40. And well, thank you to number 41 and welcome now to number 42. Merci au numéro 41. Voici le numéro 42. Voici les notes pour le numéro 40, Majida CF, pour le type 19,5 deux fois et 20 en D. La tête et l'encolure, 19,5 et 19,5. Pour le corps, 18,5 et 18 deux fois. Pour les jambes, 16, 15,5 et 16. Et pour le mouvement, 19, 19 et 19,5. Un total de 277 points. C'est donc le score pour Majida CF, le numéro 40. Quant à l'identité du numéro 41, eh bien la voici, c'est Shimmering Silk Anna. C'est son nom, c'est une fille d'Ever After et de Indian Silk par Padron Psyché. C'est la propriété du Koweïtien Fala Hussein Al Hajmi. Le naisseur est américain, c'est North Arabian. Et le handler, le présentateur cet après-midi, était Glenn Shookhands. For number 41, her name is Shimmering Silk N.A., the daughter of Ever After N.A. and Indian Silk by Parun Psyché. The owner is from Kuwait, Fala Hussein Al Hajmi. The breeder, North Arabian, and the handler is Glenn Shookhands. We have the results for type 19, 18.5 and 19. For head and neck, 18.5, 18 and 18.5. For body, 18, 18.5 and 17.5. For legs, 16, 16.5 and 16. And for movement, 19, 18.5 and 19, a total of 270.5 for number 41. Les résultats pour le numéro 41, pour le type 19, 18,5 et 19, pour la tête et l'encolure, 18,5, 18, 18,5, le corps 18, 18,5 et 17,5, les jambes 16, 16,5 et 16, et le mouvement 19, 18,5 et 19, un total de points donc pour le 41 de 270,5 pour Shimmering Silk. Merci au 42, voici le 43. Place donc à la dernière jument dans cette classe numéro 4, parrainée par De Carteret Arabian. Elle porte donc le numéro 43. Bonne chance à elle. Et on va vous présenter donc le 42 qui était Bashma Aa, une fille de Laïd et de Al-Barakeh par
Bayir, la propriété de l'élevage égyptien Al Beida. Le naisseur est Ariel Arabians en Israël et le handler était privilège SFQ. For number 42, here comes her identity. Her name is Bashmar AA. She's the daughter of Laid and Al Barakay by Bayir. The owner is Al Beida stud from Egypt, and the breeder is Ariella Rabians from Israel. The under was privilege SFQ. Here come the scores for type 19 and 18.5 for head and neck, 19.5, 19 and 18.5 for body, 17.5, 18 and 17.5 for legs, 16.5, 16.5 and 16, and for movement, 18.5, 18 and 18. A total score of 270. That's the total score for number 42, Bashma AA. Nous avons donc les notes pour le 42 Bashma AA, pour le type 19 2 fois 18,5, pour la tête et l'encolure 19,5, 19 et 18,5, le corps 17,5, 18 et 17,5, les jambes obtiennent donc 16,5, 16,5 et 16, et le mouvement 18,5, 18 et 18, une moyenne générale donc de 270 pour Bashma AA. Et merci donc au numéro 43 qui était la dernière participante à cette classe numéro 4 parrainée par deux Carteret Arabians réservées aux juments âgées de 4 à 7 ans. Quels seront les résultats du numéro 43, en tout cas en les attendant? Eh bien voici son identité, Persena, voici son nom. Elle est née en 2009, c'est une fille d'Enzo et de Pernilla par Ghazal Al-Shakab. Elle représente la Belgique, puisque son propriétaire est Flaxman Arabians. L'élevage est polonais, c'est Janowicz Podolski qui l'a fait naître et Peter Wilms est donc le présentateur cet après-midi. While we're waiting the results for number 43, her name is Persena. She's born in 2009. She's the daughter of Enzo and the Pernia by Ghazal Al-Shakab. The owner represents Belgium. This is Flaxman Arabians. The breeder is Janowicz Podolski from Poland. And today, in this afternoon, the handler was Peter Wilms. In a few seconds, we'll have the results for number 43 and we'll have the ranking for this class. Number 4 sponsored by the Carteret Arabians. Which one will be the best in this class number 4? The answer in a few minutes. And we have the scores for number 43 for the type 18.5, 18 and 18. For head and neck, 18.5, 18 and 18. For body, 18 everywhere. For legs, 17, 16.5 and 16. And for movement, 19.5, 19 and 19.5. A total score of 270. Pour Persena. Nous avons donc les notes de Persena, numéro 43, pour le type 18,5, 18 et 18, pour la tête et l'encolure, 18 pour tous les juges, le corps, 18, 18 et 18, pour les jambes, 17, 16,5 et 16, et pour le mouvement, 19,5, 19 et 19,5, soit une total de score donc de 270 points sur 300. C'est donc le score de Persena, le numéro 43. Et donc dans quelques instants, le temps des vérifications nécessaires, nous allons pouvoir vous annoncer le classement de cette classe numéro 4, accueillir les meilleurs pour la remise des prix, sans oublier bien sûr que les deux meilleurs de chaque classe vont
se qualifier pour les championnats que vous aurez l'occasion de vivre dès demain à partir de 10h30. Hein, attention, il y a un petit changement d'horaire pour demain. On commence à 8h15 avec les Ridden Class et 10h30 pour les championnats yearling femelle. Voici donc le classement pour cette classe numéro 4, parrainée par de Carteret Arabian. C'est bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de bien vouloir accueillir celle qui remporte cette classe numéro 4. Elle représente le Koweït avec un total de 277 points. Bravo, numéro 40, c'est Majida CF. The winner of this class number 4 is sponsored by the Carteret Arabian. She's representing Koweït. Congratulations to the winner, number 40, Majida CF. The second place now belongs to the Belgian horse, number 39, Nesh El Marquisa. The third place now, la troisième place maintenant, nous allons retrouver les couleurs du Koweït avec le numéro 41, Shimmering Psilk NA. À la quatrième place, at the fourth place, please welcome number 42, Bashma AA. À la quatrième place, c'est l'Égypte, Bashma AA, le 42. Et enfin, à la cinquième place, elle représente la Belgique, le 43, Persena. The fifth place belongs to number 43, Persena. Ah oui, bien joué donc, bien joué au Koweït et à Majida CF, cette fille de WH Justice, petite fille de Citadel, qui remporte donc cette classe numéro 4 avec pas moins de 277 points, soit 2 points d'avance sur le numéro 39, Nesh El Marquisa, qui représente la Belgique. Et enfin la troisième marche du podium avec 270,5. C'est donc une nouvelle fois pour les couleurs du Koweït, c'est Shimmering Psilk NA, cette fille de Ever After, la propriété de Fala Hussein Al Ajmi, son propriétaire koweïtien. Voilà donc eh bien les 5 meilleurs de cette classe numéro 4, parrainée par de Carteret Arabians, monsieur Eric Gir, donc qui remet les cadeaux, les félicitations au nom de toute l'équipe organisatrice, aux propriétaires, aux éleveurs, aux handlers également, qui nous ravissent de leur présence ici sur cette piste et toujours de ces juments les plus belles pour ce show ici à Deauville. Thank you very much to all of you. Let's have a victory tour now in music. Allez, place à la musique, place à la cadence pour le tour d'honneur de Majida.